That's all the time we got today, thank you. C'est le dernier match, mais surtout le sommet de la saison en foot. Et l'attente avant ce match a été très longue, mais maintenant on y est enfin. La finale de l'UEFA Champions League va pouvoir débuter. C'est un match énorme en perspective. Manchester City contre l'Olympique de Marseille. Une finale du UEFA Champions League, c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reproduira peut-être plus jamais. Oh, attention à ce ballon. En bonne position pour frapper. La musique, les papelitos, tout est là pour célébrer ce sommet de la saison. L'UEFA Champions League connaîtra bientôt son vainqueur, Manchester City contre l'Olympique de Marseille. Moment unique, moment d'exception, le bruit, les couleurs, la passion ambientale, tout le gratin est là aujourd'hui, pas le droit au chloroforme. Dans le monde, il n'y a aucun match de club plus important, plus difficile que celui-là. Attention, très bonne occasion. Et le but, ça y est, les filets tremblent, la finale bascule, 1-0. Goal, 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 voilà ce que c'est de convertir en bonheur un moment de suspense. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. C'est reparti dans cette rencontre. City est mené d'un but. Bernardo Silva. Haaland, balle au pied. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Un ballon perdu pour l'OM. Florian Wirtz avec le ballon. Et ballon dans la profondeur. La place pour tenter sa chance. Ça fait trembler le filet, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses deux buts d'avance. Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon sort en touche. Et l'équipe reprend la possession. Et ça peut être dangereux. Et c'est le but!
minutes, l'écart maintenant est encore plus important. 3 buts d'avance. C'est magnifique, et même imposé de finir l'action sur une arabone. Mais c'est ce genre de geste qui nous procure l'émotion du foot. C'est reparti, l'OM s'échappe. 3 buts d'avance pour les Phocéens. Le ballon en touche. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et la possession change de camp. De l'espace pour l'OM sur le côté. Et le tir. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Corner. Aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. Ouais, c'est contré, bonne défense. Florian Wirtz avec le ballon. Et la passe est interceptée. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Attention à ce ballon qui traîne. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Une belle avance pour l'Olympique de Marseille. C'est reparti dans ce match. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et voilà un tacle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Ah, c'est bien joué. Ballon par-dessus. Et le but, c'est son 3e du match. Le coup du chapeau. Inarrêtable. Quel phénomène. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Touche à venir. Très bonne progression, balle au pied. Ouais, ce ballon qui sort, et c'est donc un corner. Le corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Le ballon est récupéré. Foden. Et peut-être un bon contre à négocier là. Le ballon pour Haaland. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Les chiffres de la possession sont favorables à l'Olympique de Marseille. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus.
Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Et oui, c'est dedans. Sa tête qui vient reprendre ce ballon. Capé Sasso, et ça fait goal. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. À grosse pression, ballon perdu. Victor Osimhen reçoit le ballon. On va bien placer Osimhen. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué! Qu'est-ce que c'est bien fait! Quel artiste pour tromper comme ça le gardien! Très bien ce geste avec un ballon piqué qui passe juste au-dessus de la tête du gardien. Un but tout en grâce et en touché. Vraiment un geste de très grande classe. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Et une passe lobée pour créer le danger. Attention à cette occasion. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. On revoit ce centre qui passe au-dessus du défenseur et qui va chercher son coéquipier au deuxième poteau. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Il est furieux, le coach, après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. De Bruyne. Phil Foden reçoit le ballon. Quel dommage de s'enfermer comme ça et de ne pas jouer collectif. Son tir a beau être proche de la cage, avec cet angle, c'est assez inoffensif. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et Riyad Mahrez avec le ballon. Dembélé pour centrer, a pas assez appliqué ce centre et c'est donc une sortie de but à venir. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, des volontés et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. La remise de la coupe, c'est le moment dont ils rêvent tous depuis qu'ils ont débuté leur carrière. La coupe Grandes Oreilles, c'est la culmination d'une vie pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je ne l'ai jamais joué et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité. Et voilà, il soulève la Ligue des Champions. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage.